Notre seconde affaire aurait enchanté Liarpo, tant elle est scabreuse et désenchantée. Elle s'organise autour de quatre hommes aux personnalités équivoques. Et elle va nous entraîner aux quatre coins du monde, du Texas au Mexique, de la Californie à la Hollande et de la Floride à l'Italie. Elle va aussi révéler la face cachée de certains d'entre nous qui dissimulent les desseins les plus noirs sous les apparences de la respectabilité. Diplômé d'Harvard, le docteur Richard Boggs est neurologue. Il exerce à Glendale, en Californie, à quelques kilomètres d'Hollywood. Il était marié, il avait des enfants et un véritable manoir pour domicile. En résumé, il avait la belle vie. Sa femme et lui roulaient tous deux dans des modèles de luxe. Mais un samedi matin d'avril 1988, le docteur Boggs appelle les secours pour signaler le décès d'un patient dans son cabinet. Ce dernier aurait succombé à une crise cardiaque. Le médecin raconte qu'il a effectué un électrocardiogramme qui semblait normal. Puis, il est sorti de la pièce quelques instants et à son retour, il a trouvé le patient allongé par terre, inconscient. Lorsque les secouristes arrivent à 7h15, le patient est décédé. Le neurologue leur dit qu'il s'agit de Gene Hanson, 42 ans, un de ses patients de longue date. Les cartes de crédit ainsi qu'un certificat de naissance trouvé dans le portefeuille du défunt confirment ses dires. Néanmoins, les secouristes ont des doutes, car la rigidité et la température du corps semblent indiquer qu'il est mort depuis quelque temps. Le sergent James Loray est l'un des premiers policiers à arriver sur les lieux. Les artères ou les veines de son visage semblaient avoir éclaté. Ça faisait plein de petites taches. J'avais quand même une certaine expérience de cadavres, que ce soit de mort naturelle ou non. Alors quand j'ai vu le corps, j'ai eu l'impression qu'il était déjà mort depuis un certain temps. Le médecin légiste établit l'heure du décès en comparant la température du foie d'Hanson à celle de la pièce. Après la mort, la température du corps baisse d'un degré et demi chaque heure. La température de la pièce était de 22 degrés, celle du corps était de 30 degrés. En me basant sur ces données, cela indiquait qu'environ 6 ou 7 heures s'étaient écoulées depuis la mort de cette personne. Hanson est donc décédé entre 2h et 3h du matin, c'est-à-dire bien avant que le docteur Boggs ne prévienne les secours. J'ai dit au docteur Boggs, vous mentez. Tout ce que vous nous avez raconté n'est qu'un tissu de mensonge. Lui-même fils de médecin, le sergent Loray sent bien qu'il y a quelque chose de louche dans cette histoire. Le docteur Boggs est neurologue. Sa spécialité est donc de soigner les maladies du cerveau et autres problèmes neurologiques. Alors pourquoi donc suit-il un patient avec de simples douleurs thoraciques? Qui plus est, rien ne semble indiquer qu'il a tenté de réanimer son patient. En l'observant, j'ai remarqué que ses vêtements étaient impeccables. Il n'avait pas versé la moindre goutte de sueur et sa coiffure était impeccable. J'ai moi-même déjà fait un massage cardiaque et je sais combien c'est fatigant. Toutes ces incohérences éveillent les soupçons de la police. Je savais que cet homme n'était pas mort de la façon dont le médecin nous l'avait décrit. Je me suis dit qu'il devait forcément y avoir une autre explication. Je ne savais pas s'il s'agissait d'un crime passionnel ou si la victime avait succombé à une overdose médicamenteuse. Il y avait beaucoup de scénarios envisageables. En fouillant le cabinet du médecin, la police découvre des objets très inhabituels pour un cabinet médical. On a obtenu un mandat de perquisition pour son cabinet. On y a trouvé beaucoup de sextoys. Ils étaient dans la salle d'examen du médecin. Ils étaient rangés dans une petite commode à l'intérieur de la pièce où il examinait ses patients. Plutôt étrange pour un cabinet médical. Deux semaines plus tôt, la police est déjà intervenue au cabinet du docteur Boggs pour un autre incident. Un homme que nous appellerons Bruce Smith affirme que le neurologue l'a agressé au taser après la fermeture du cabinet. Les deux hommes se sont rencontrés un peu plus tôt dans un bar gay. La police conclut alors qu'il s'agit d'une querelle d'amoureux.
Au cours des années précédentes, le docteur Boggs a traversé des difficultés personnelles et professionnelles. Il perd son droit d'exercer dans plusieurs hôpitaux, il divorce, puis affiche ouvertement son homosexualité. Les enquêteurs découvrent qu'il fréquente régulièrement les clubs sadomasochistes. Il est étrange qu'un neurologue possède une collection de gadgets sexuels et qu'il la conserve dans son cabinet. Il est plus surprenant encore qu'il pourchasse l'un de ses patients avec un pistolet à impulsion électrique. Il est inconcevable qu'il assiste impuissant au décès d'un autre de ses patients et qu'il attende plusieurs heures avant d'en avertir les services d'urgence. Il est enfin choquant qu'un médecin ayant fait le serment d'Hippocrate soit un adepte de pratiques sadomasochistes. Mais qui est en réalité le mystérieux docteur Boggs? Eh bien, c'est ce que nous allons découvrir dans un instant. On peut dire que, d'un certain point de vue, nous sommes dehors la loi sur le plan sexuel. La communauté ne reconnaît pas légitimement nos pratiques comme des rapports entre personnes consentantes. Les enquêteurs espèrent que l'autopsie permettra de faire la lumière sur ce qu'il s'est réellement passé dans le cabinet du docteur Boggs. Lorsque les résultats de l'autopsie tombent, la surprise est de taille. Jean Hanson est bien décédée d'une maladie du cœur, une myocardite non spécifique locale. Le corps d'Hanson est identifié par son associé, John Hawkins. C'est lui. C'est bien lui. Hanson et Hawkins possèdent une entreprise textile du nom de Just Sweets, à Columbus, dans l'Ohio. À l'écran, une publicité pour leur entreprise. John Hawkins apparaît régulièrement dans ces spots. Apparemment, les affaires marchaient très bien. Ils possédaient une vingtaine de magasins de vêtements, ils roulaient dans des voitures de luxe, ils avaient la belle vie. Jean Hanson est incinéré et ses cendres dispersées dans l'océan Pacifique. John Hawkins est l'unique bénéficiaire testamentaire de son associé. Il hérite de ses biens et d'une police d'assurance vie $1 million. Après les obsèques, il retourne dans l'Ohio, puis il disparaît. Il est allé à l'aéroport avec sa voiture décapotable. Il l'a laissé décapoter à Columbus alors qu'il pleuvait. Il a sauté dans un avion avec $1 million en espèces en poche. Quelque temps plus tard, une employée de la compagnie d'assurance s'apprête à clôturer le dossier de Jean Hanson. Elle demande alors une copie de son permis de conduire. Sur les permis de conduire délivrés en Californie figurent une photo du titulaire ainsi que l'empreinte de son pouce. Mais l'empreinte sur celui d'Hanson ne correspond pas à celle qui a été relevée à la morgue. La compagnie d'assurance en informe donc les enquêteurs. Après avoir vérifié dans leur dossier, ils découvrent qu'à Hollywood, un comptable de 32 ans nommé Ellis Green est porté disparu. Et en montrant une photo du patient du Dr Boggs à la famille d'Ellis Green, celle-ci confirme qu'il s'agit bien de lui. C'est un véritable choc pour le Dr Boggs. Selon lui, l'homme décédé à son cabinet était un de ses patients depuis des années et il s'est toujours fait appeler Jean Hanson. En examinant de plus près le dossier médical de Jean Hanson, le lieutenant Perkins découvre une étrange incohérence. Au cours de 3 consultations différentes, le Dr Boggs a fait un électrocardiogramme à Jean Hanson. Mais lorsque le lieutenant Perkins examine les ECG, il remarque des traces d'encre ainsi que d'autres éléments qui indiquent que ces 3 examens ont été faits le même jour.
Quand j'ai placé chacun des ECG bout à bout, toutes les parties déchirées s'emboîtaient comme un puzzle. La trace d'encre rouge de la première feuille continuait sur la feuille suivante. L'autre morceau, où il n'y avait de l'encre que sur la moitié de la feuille, correspondait au dernier morceau où il n'y en avait pas. Ces preuves montrent que le médecin n'a effectué qu'un seul examen. Puis il a déchiré la feuille en trois morceaux et inscrit des dates différentes sur chacun d'entre eux avant de les ranger dans le dossier d'Hanson. L'erreur qu'il a commise nous a grandement facilité la tâche. C'était la première fois qu'on pouvait affirmer sans l'ombre d'un doute que ce dossier médical était faux, monté de toutes pièces. Les enquêteurs décident alors d'examiner une seconde fois le rapport d'autopsie. Des échantillons de sang et de peau d'Alice Green sont envoyés pour des tests plus approfondis, notamment une chromatographie en phase gazeuse. Cette technique permet d'identifier des centaines de substances toxiques dans les tissus humains, mais les analyses ne donnent rien. Ils décident alors de faire appel à un autre médecin légiste pour un deuxième avis médical. Ils remarquent des signes de décoloration sur le visage et le bout des doigts de la victime, ce qui indique une mort par suffocation. Une coloration qui disparaît malheureusement très rapidement après la mort et qui rend ce type de décès particulièrement difficile à déceler. Le docteur Boggs clame son innocence. Il est pourtant suspecté de meurtre et arrêté. Mais a-t-il agi seul ? John Hawkins est-il impliqué ? Et où est le véritable Gene Hanson ? Lorsque la police enquête sur Richard Boggs, elle découvre que malgré son train de vie, l'homme est ruiné. Il vient de divorcer et il a perdu beaucoup d'argent en montant une affaire dans laquelle il a englouti tout son capital. En fouillant son appartement, dans l'une des salles de bain, il y avait une baignoire. Mais il n'y avait pas d'eau à l'intérieur. Il y avait une montagne de factures toutes adressées au médecin. Lorsqu'elle s'intéresse à l'entreprise textile que possèdent Gene Hanson et John Hawkins dans l'Ohio, le constat est le même, c'est la faillite totale. Pour se sortir de cette mauvaise passe, il leur fallait beaucoup d'argent. L'assurance vie est donc apparue comme le moyen idéal. Cette affaire est extravagante. Je la résume en quelques mots. Gene Hanson décède dans le cabinet médical du Dr. Boggs. John Hawkins, son ami et associé, identifie le corps et le fait incinérer. Puis, il empoche le montant d'une assurance-vie qui s'élève à $1 million et disparaît mystérieusement, abandonnant sur le parking d'un aéroport sa voiture de luxe. Procédant à une vérification de routine, une employée de la compagnie d'assurance découvre que le défunt n'est pas le souscripteur. Il s'agit d'un autre homme, Alice Green, un comptable d'Hollywood disparu quelques jours plus tôt et vraisemblablement assassiné. Fouillant les comptes bancaires des uns et des autres, les enquêteurs s'aperçoivent que le docteur Boggs, Hawkins et Hanson sont tous ruinés. Dès lors, l'affaire prend une toute autre tournure. S'agit-il d'un complot ? Les trois hommes sont-ils complices ? Ont-ils assassiné un innocent pour le faire passer pour Gene Hanson et se partager ensuite le montant de l'assurance ? Les policiers doivent maintenant établir les circonstances et les responsabilités de chacun dans l'arnaque et l'homicide. Mais ils doivent se contenter de mettre en examen le Dr. Boggs, ses complices, ses temps volatilisés avec l'argent. Je ne sais pas comment ils se sont rencontrés. Je sais que Hawkins et Hanson ont tous deux été les patients du Dr. Boggs. Ils se connaissaient depuis de nombreuses années. Le faux décès d'Hanson a peut-être été orchestré un an auparavant. Les relevés téléphoniques leur révèlent que déjà à cette époque, les trois hommes ont souvent été en contact. Leurs conversations téléphoniques nous ont confirmé qu'il s'agissait bien d'un complot. Chaque fois qu'ils préparaient une nouvelle étape de leur plan, on voyait le nombre d'appels entre les trois hommes augmenter.
Gene Hanson souscrit une assurance vie d'$1 million. Puis il fait croire à ses amis et collègues qu'il est en train de mourir du sida et il annonce à tout le monde qu'il va partir s'installer en Californie. Avant son départ, il fait de John Hawkins son unique bénéficiaire testamentaire et déshérite du même coup sa famille. Dans cette affaire, ils avaient mis au point un plan élaboré pour s'assurer de ne commettre aucune erreur. Ils devaient absolument faire en sorte qu'aucun membre de la famille du véritable Hanson ne se manifeste. Vous imaginez si sa mère était venue dire « Attendez une minute, ce n'est pas mon fils ». La police pense qu'Hanson et Boggs ont rencontré Ellis Green dans un bar, dans le nord d'Hollywood. En plus d'être au mauvais endroit, au mauvais moment, Green correspond parfaitement au profil qu'il recherche. Il ressemble à Hanson, il est séropositif et mieux encore, il est complètement saoul. D'après ce qu'on sait, Green était un homme sympathique. Ils l'ont sûrement invité à se joindre à eux et il les a suivis. Il ne se doutait pas de ce qui l'attendait. Au moment même où les secouristes tentent de ranimer Ellis Green dans le cabinet du Dr Boggs, un homme correspondant à la description de Gene Hanson entre dans cet hôtel. L'établissement est situé à deux pâtés de maison du cabinet du neurologue. L'homme utilise une fausse identité. Un peu plus tard, Gene Hanson reçoit un appel de John Hawkins depuis l'Ohio. Les secouristes ayant prononcé le décès d'Ellis Green, John Hawkins n'a plus qu'à prendre un avion pour la Californie. Il identifie le corps comme étant celui de son associé, puis le fait immédiatement incinérer. Il peut ainsi empocher l'assurance vie $1 million. Hawkins et le véritable Gene Hanson disparaissent. Ils laissent derrière eux leur entreprise textile en faillite et le Dr Boggs, qui doit se défendre face aux accusations de meurtre. Une chasse à l'homme s'engage pour retrouver les deux suspects. Elle va durer plus de 3 ans et les mener à l'autre bout du globe. Alors que le Dr Boggs croupit au fond de sa cellule pour le meurtre d'Ellis Green, Gene Hanson et John Hawkins, ses complices, courent toujours. En suivant une piste qui va les conduire dans une maison floridienne, les enquêteurs retrouvent les empreintes de Gene Hanson à l'intérieur. L'homme a en tout cas vécu ici. Malheureusement pour la police, d'autres preuves viennent indiquer que l'oiseau s'est envolé. Quelques mois plus tard, il est arrêté à l'aéroport de Dallas-Fort Worth alors qu'il débarque tout droit du Mexique. Les agents de sécurité trouvent son comportement étrange. Il porte encore les cicatrices de nombreuses opérations de chirurgie esthétique et d'implants capillaires. Il nie formellement être Gene Hanson, mais il a le permis de conduire d'Ellis Green en sa possession. Il possède également plusieurs fausses cartes d'identité, ainsi qu'un livre intitulé « Comment se créer une nouvelle identité ». Ses empreintes digitales correspondent à celles du véritable Gene Hanson. La police tient son suspect. Retrouver John Hawkins va être beaucoup plus compliqué. John Hawkins était un caméléon. Il était capable de s'adapter à n'importe quel style de vie. Il s'intégrait facilement. Et qui plus est, il avait les moyens de le faire. Pendant 3 ans, il se sert de l'argent de l'assurance vie pour faire le tour du monde. Nous sommes à Amsterdam. En regardant une émission policière à la télévision dans laquelle il fait office de fugitif activement recherché par les autorités, une femme reconnaît Gene Hanson. La femme est l'une de ses anciennes maîtresses. Grâce aux informations qu'elle leur fournit, la police le retrouve au large de la Sardaigne. Il est à bord d'un catamaran rouge appelé Carpe Diem. Quand ils l'ont interrogé, il ne s'est pas montré coopératif le moins du monde. Il nous disait « Vous vous trompez de personne. Mon nom est Bradley Bryant et je suis citoyen britannique. Tenez, regardez mon passeport. » Il avait effectivement un passeport britannique. Ensuite, il a crié au scandale, à l'erreur judiciaire.
mais ses empreintes digitales ne mentent pas. L'affaire est-elle sur le point d'être bouclée ? Après 3 ans de traque aux quatre coins du monde, les complices du docteur Box dans le meurtre d'Elice Green et de l'arnaque à l'assurance vie ont été arrêtés. Pour échapper au contrôle de police, Hawkins et Hanson s'étaient cachés derrière de fausses identités. Appelé criminalité identitaire, ce délit consiste à s'inventer une identité ou à usurper celle d'une personne morte ou disparue. En France, en 2010, on a compté 213 000 infractions liées à la criminalité identitaire. Ainsi, par exemple, c'est sous des dizaines de noms d'emprunts qu'un Marseillais avait créé 200 entreprises fictives. Ayant licencié 2400 employés, tous aussi fictifs, il avait empoché 20 millions d'euros d'allocation chômage avant d'être arrêté. Sachez encore que selon Christophe Nandin, chercheur criminologue à l'Université de Paris 2, dans le monde de la pègre, une identité se vend environ 5000 euros. Maintenant, dans l'histoire qui nous intéresse, comment expliquer qu'un médecin et deux hommes d'affaires apparemment respectables aient pu se laisser entraîner dans une telle aventure ? Pour le ministère public, des difficultés financières auraient rapproché Boggs, Hanson et Hawkins. Ils ont alors décidé de monter une escroquerie à l'assurance qui va leur rapporter $1 million. Le rôle du docteur Boggs a été de trouver un individu qui ressemble à Gene Hanson et de le tuer. Sa première cible sera Bruce Smith, dont il a fait la rencontre dans un bar gay. Il l'emmène dans son cabinet avant de l'agresser au taser. Mais Smith parvient à s'enfuir. Deux semaines plus tard, Gene Hanson contacte le neurologue et ensemble, ils font une nouvelle tentative. Ils font la rencontre d'Elice Green dans une boîte de nuit aux alentours de minuit. Avec 2,8 grammes d'alcool dans le sang, il est complètement saoul. Boggs et Hanson l'emmènent alors au cabinet du médecin et l'agressent toujours au taser. Va-t'en maintenant. Je vais m'en occuper. Mais le docteur Boggs va commettre plusieurs erreurs qui vont le trahir. Il tue Green peu après minuit, mais il attend 7 heures du matin pour prévenir les secours. À leur arrivée, le corps est déjà froid et rigide. John Hawkins, Gene Hanson et le docteur Richard Boggs sont inculpés de meurtre avec préméditation, de fraude à l'assurance et de vol aggravé. Au cours du procès, le ministère public fournit aux jurés les preuves médico-légales selon lesquelles Elice Green est bien mort par suffocation des mains du docteur Boggs. Elles indiquent également que le vrai Gene Hanson était en ville le soir du meurtre. À l'heure de l'arrivée des secours, il se trouvait dans un hôtel non loin de là. La défense prétend que la victime est décédée de mort naturelle, principalement causée par son taux élevé d'alcool dans le sang. Mais le jury n'est pas de cet avis. Richard Boggs et Gene Hanson sont reconnus coupables de meurtre avec préméditation et de fraude à l'assurance. Ils sont condamnés à la réclusion criminelle à perpétuité, sans possibilité de libération conditionnelle. John Hawkins est reconnu coupable de complot en vue de commettre un meurtre et de fraude à l'assurance. Il est condamné à une peine de 25 ans. L'affaire a été un succès pour moi. On a traîné 3 hommes devant la justice grâce à des enquêteurs et des spécialistes exceptionnels. Mais aussi grâce aux polices de tous les pays dans lesquels nous avons dû nous rendre.
Le travail acharné de la police, agrémenté de preuves solides, ont finalement eu raison de toute cette machination et auront sans doute permis d'éviter un deuxième meurtre. En effet, les enquêteurs ont découvert que le trio avait prévu de frapper à nouveau. Cette fois-ci, la victime devait ressembler à Hawkins, un complot qui leur aurait permis d'empocher une autre assurance vie $1 million. Hawkins et Hanson sont toujours sous les verrous. Le docteur Box est quant à lui décédé d'une crise cardiaque dans sa cellule. Si Ellis Green, le comptable d'Hollywood, n'y avait pas laissé la vie, cette affaire aurait pu avoir des aspects fascinants. D'ailleurs, plusieurs livres et quantité d'émissions de télévision l'ont évoqué ou s'en sont inspirés aux États-Unis. L'une d'entre elles, le célèbre Oprah Winfrey Show, avait permis à l'ex-compagne de Hawkins de le reconnaître et de permettre son arrestation au large de la Sardaigne.